C'est pas vrai, j'ai pas martyrisé ma souris. France Noël, bonsoir, il est 6h du matin et aujourd'hui, et oui, c'est le grand jour que tous les enfants attendent. Alors on va se diriger tout de suite dans une école primaire avec notre correspondant Jean-Henri. Jean-Henri, on va l'appeler comment celui-là? Jean-Henri de la coquillette. Jean-Henri de la coquillette, est-ce que vous m'entendez? Jean-Henri, est-ce que vous êtes là? Oui, tout à fait, je suis là, je suis devant l'école et regardez, je suis habillé en poulet, ça amuse les enfants. Oui, alors Jean-Henri, c'est pas la saison là, Jean-Henri, nous sommes Noël, nous ne sommes pas Thanksgiving. Ah, ah bon? Ah bon, c'est pour ça que tout le monde me suivait avec un fusil? Ah, non, non, Jean-Henri, non, 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 Jean-Henri, ça c'est juste des Américains, c'est pas grave, c'est normal. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave, demandons à ce petit enfant tout mignon. Alors, mon petit, qu'est-ce que tu vas recevoir à Noël? Qu'est-ce que tu as demandé au papa Noël? Appelez-moi, moi j'ai demandé des poupées et des Action Man. J'adore les Action Man, c'est trop bien les Action Man. Et les poupées, c'est comme ça, il pourra les sauver. Mais mon petit, tu penses pas que c'est un peu dépassé que les filles peuvent aussi sauver les Action Man? Ah, mais pourquoi pas, je demanderai à ma sœur, j'aime trop ça et tout, c'est génial. Et voilà, les enfants sont super excités, et oui, je vous retrouverai demain pour savoir s'ils se sont bien endormis. Et sur ce, à vous les studios. Merci Jean-Henri, maintenant, je ne sais pas quoi dire. C'est quoi le programme? S'il vous plaît, le prompteur. Ah, merci. Tout de suite, c'est la météo de Marie-Jeanne Tempête. Mais ça va pas bien, hein. Mais mon dieu, il est déchiré. On t'a demandé un lancer de roue. J'étais concentré. Et plus con que centré là, mais. Oh, le festival est en préparation. Dites-vous que ça, j'arrive à le sortir naturellement, que j'ai beaucoup plus de mal à écrire les pastrologies, quoi. J'avoue. C'est un beau lancer de roue, j'arrive. Allez. Il faut aller sur la place centrale pour faire le cadeau à notre. C'est à 10h, je crois. Ding ding ding! Je regarde la roue. Attention, qu'est-ce qu'il va gagner? Oh, je suis pressé de ça. Oh, le suspense est insoutenable! Est-ce qu'il va gagner? Rien du tout, c'est dommage! Eh oui! Une faute de ponctuation! Une faute de ponctuation! Arrêtez avec ça! Ce n'est pas une faute! Oh, c'est drôle! Oula! Alors. J'ai dit que j'allais lui donner ceci. C'est chargé. Ah, monsieur le maire. Monsieur le maire, j'ai un cadeau pour vous. Mais il est derrière le magasin. Comment on fait on leur donne les cadeaux? Tu passes derrière et tu prends. Ah mince, comment on fait? Tu lui parles et tu lui donnes. T'es sûr? Tu lui parles et tu lui donnes. Mais. Bon, c'est tout? Il y en a un qui a réussi à le faire. Mais. Oh mince. Oh, j'ai reçu un cadeau. Je veux savoir qui vous offre un cadeau. Bah toi, apparemment, c'est... Oh, moi, c'est Sébastien. Oh, c'est Sébastien. Oh, c'est Sébastien. Moi, c'est Sam. J'ai eu un service à thé. C'est Sébastien. Moi, c'est le SDF. Il m'a offert une tourte au mur que je vais de suite offrir à mon... Et bon, service à tes... force de lui donner des murs, tu lui files de la tarte entière, c'est bien quoi. Et qu'est-ce que j'ai reçu moi de ici, Sébastien? Il parle de comment fabriquer des sucres d'orge. Oh. J'ai reçu un champignon violet. Le mec m'a refilé une MST. C'est tout. Hein? Je suis super content. C'est quoi au magasin? Il m'a Oh, il y a des guirlandes, des bannières, et des plantes, et du lombris, et des arbres. Est-ce qu'on peut acheter l'arbre de Noël à 5000? J'ai pas le droit de regarder le magasin, voyons voir. Ah oui, c'est vrai que c'est... Mais j'ai reçu un champignon, mais à l'aide. Ouais, prends-le ton sapin, Nino. Mais non! Non, alors, tu mets ça sur ma note, j'économise pour acheter une maison vide. Ouais, il va falloir bosser. Bah, j'ai 5000 PO dans ma cagnotte. Bah non, prends. Punaise. Non, je garde les 5000 PO pour une maison vide. Mais comme ça, moi je peux prendre le petit sapin. Je ne veux pas. T'as dit que t'en avais pas fait, donc on le prend pas.
Un sapin taillé ? Dis donc. Non. Mais... Sinon, j'y mets un coup de hache, comme tous les trucs que vous m'avez dit. Hache ? Mais elle sort avec Trundle. Ah, tu peux demander ce que tu souhaites peut-être pour l'an prochain, là où je suis. Où ça ? Où es-tu ? Devant le sapin. Qu'est-ce que je veux pour l'an prochain ? Mais pas une MST, s'il vous plaît. Mais y'a rien, y'a pas de jeux. J'avoue. Je veux des mini-jeux. Attends, quel sapin, Nino peut... Ah, ce sapin-là, peut-être. Oui. C'est... Là, si tu parles à... Non, si tu parles à... Tu veux bleu ? Elle va te demander qu'espères-tu trouver sous l'arbre aux esprits. Je sais pas. Alors, un nouvel arrosoir. Bah, à force, je l'ai usé, donc oui. C'était cloque. Un pichet d'hydromel ou une paire de bottes. Moi, j'ai pris un nouvel arrosoir. Moi, je prends la paire de bottes. Moi, la paire de bottes aussi. Qu'est-ce qui était glauque ? J'ai pas compris. Le glauque en spiel. Oh, le glauque en spiel, il est très glauque. Et vous croyez que je peux arracher une canne à sucre et l'emmener ? Ah, c'est... Enfin, sincèrement, c'est payé par les impôts, donc vas-y. Il y en a pas à vendre, là. Hache décorative. Je veux de la canne à sucre. Un champignon. Et vous trouvez pas que la fenêtre à rideau et pas ribot, ça ressemble à un paquet de cigarettes de marque très connue ? Oh mince, t'as tellement raison. J'ai bloqué dessus tout à l'heure et je suis désolé, mais je me dois de vous partager. Quoi. C'est... Et du coup, comment on termine cet event ? On s'en va. En s'en allant, je pense. Ouais, il n'y a pas grand chose pour cet événement décevant. Voilà. C'est Noël. Noël. Oh, c'est vrai, on a perdu toute la journée. Il est où le baiser de Fort de France ? Hein ? Bah, moi je vais revendre mon champignon violet, hein. Yay. Ça me dégoûte. Pourquoi je peux pas le garder ? Ah non, apparemment, faut le garder. Moi j'ai gagné une bouteille de vin. Parce que qu'est-ce que je veux en faire en fait ? Bah, la boire. Ouais, tu peux le boire. Ça se jette pas, hein. Moi j'en fais quoi du champignon ? Moi je peux pas poser mon service à thé ou quoi ? Ah, moi je l'ai. Tu peux pas le poser ? Non. J'arrive pas à le poser. Et la tarte au mur, la tourte au mur, ah, c'est même pas une tarte, c'est une tourte. C'est 175 d'énergie et 78 de santé quand même. Et il y a écrit quand même que c'est des points négligeables. Ouais. Bon bah écoutez, comme je peux pas la poser, dorénavant je me balade avec un service santé. Oh, il est trop classe. Il est trop classe ton service santé. Ouais, ouais, moi j'ai un champignon, hein, chacun sa chance. Peut-être qu'on peut le poser ici. De quoi, le champignon ? Ouais, si tu veux, je vais non, le poser. Non, le service. Nous, tu sais où je peux poser le service à thé ? Eh, vous savez comment me faire plaisir l'an prochain, hein ? Un gros champignon. Trop bien. Violet, s'il est pas violet, j'en veux pas. En plus, j'adore ça, mais grave. Punaise. Mais t'en as rêvé toute la nuit, de toute façon. Ah ouais, ouais, j'adore les gens. T'as vu le Père Noël de loin, t'as dit « Ah, mon champignon arrive enfin. » Est-ce que c'est parce que j'ai cliqué dessus comme un... Ouais. J'arrive. J'étais parti chercher le bois parce qu'on n'a pas pu le faire. Et qu'on en a besoin assez vite. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Plus que 3 jours et nous quittons l'hiver. Alléluia. Ouais, il est minuit et demi, nous allons retrouver devant la cathédrale de Saint-Étienne notre reporter pour la messe de minuit. Alors Jean-Charles de la Pâté, comment se déroule cette messe ? Eh bien écoutez Jean-Henri, les catholiques extrémistes ont décidé de manifester et de pouvoir ne pas porter de masque dans la messe tout en faisant plein de bêtises dedans. C'est dégueulasse, c'est la nuit, je sais pas quoi dire, je sais plus improviser à cette heure-là. Non, sérieusement, on va pas quitter la VOD sur ça, dites quelque chose. À l'aide. Ah ouais, on peut dire à l'aide, oui. Vous voyez bien qu'on souffre. Ne vous laissez pas là. Je n'ose plus parler. Il va falloir qu'on se renseigne pour des EHPAD, hein. C'est plus possible. Ils sont saturés.